Intro de Hébert, 356e. Et salut tout le monde. On se retrouve sur le jour 2 de du FMI. Je me trompe pas toutefois, parce que je me suis trompé à l'épisode 1. J'ai dit quel épisode? J'ai dit l'épisode 2 ou l'épisode 3? Je ne sais pas. En tout cas moi je suis à l'épisode 4. Voilà, et moi c'est l'épisode 3, ouais. Normalement. Ouais. Et donc pour continuer mon épisode 3, voici la commande bindée du jour pour Rémi Beur qui pourrait faire plaisir ou pas. Ah mais sérieux. Bah une commande bindée que tu peux taper pour montrer aux petits enfants comment ça marche, des commandes bindées sur le mode. Ah oui, mais c'est pour activer le truc que t'as désactivé, non? Oui, non, c'est la barre de vie personnelle, sinon l'autre je crois que c'est friend bar. Et la sécurité. Oui, ok. Bon, bref. Moi je le refais. Hop. Alors, un petit point sur notre situation, monsieur Laplante. Eh bien, c'est la mouise. Ouais. Ça... Alors bon, on s'est fait raid 2 fois. Ça, je crois que je l'ai dit à l'instant là, qu'on était en bateau. Hein, il y a un petit à l'instant. Voilà. Ah oui, parce que moi j'ai mis. C'est bien compliqué là. C'est de la rédaction spatiale. Rédaction spatio-temporelle, hein, parce que moi j'ai pas cet épisode là, bien sûr, en stock. C'est pas grave. Oui. Et donc là on a fait une pseudo base, hein, bien sûr, mais c'est juste pour miner, c'est une base de minage. Sinon toutes nos ressources sont dans un endroit. Tenue secret. Pom 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 pom. On y va? Oui. J'ai des diamants, regardez, j'ai des diamants. On va au spawn? Oui bah oui. J'ai montré la commande blindée. Ah moi aussi possible de. Toi aussi t'as fait flèche du haut. Quoi? Bon, bref. Ah, non je crois pas. C'est pas grave. Allez hop, on descend tout en bas. Et on suit Dechi. Ah, je peux pas avancer. Allez, suivez les particules vertes, monsieur. Allez, je suis plus rapide que Dechi. Moi je marche. Ah d'accord. Ok. Et bienvenue dans le placard. Le placard. Toum toum toum. Alors on a acheté une petite maison pour stocker nos affaires. Donc nom de code le placard. Ouais. Petite maison. Ah, il y a un deuxième étage. J'ai pas vu. D'accord, c'est là où il y a tous les fours en fait. D'ailleurs, il doit y avoir du fer ici, voilà, c'est ça, donc je récupère. J'avais jamais vu, désolé, gros boulet. Et maintenant je fais du bruit. Ouais. Non, mais... Et là, il y a du bois normalement. Oh yeah, ah, classe. On met le fer ici, ah, voilà. Le bois ici. P2. D'ailleurs, faudra que tu enchantes mes stuff, c'est pas grave. Enfin, faudra que tu les répares. Oh, j'arrive plus à gérer des... J'essaie de crafter mais je me suis un petit peu... T'es en train de parer là, on est d'accord? Non. D'accord. Non. Moi t'es en train de parer. Non, ah d'accord. Moi t'es en train de... Ah c'est trop drôle, tu verras ça la vidéo. J'étais en train de crafter en fait, je craftais des torches. Et je me suis un petit peu planté sur la quantité de bâtons, j'ai fait une bûche de trop. J'ai 14 bâtons en trop. Donc bon, voilà le placard. Et je sais pas où les mettre. Alors la maison qui est réservée à la Coblade, dont on vous en a parlé à l'épisode 1, enfin, il y a une petite référence à un moment d'ailleurs qui n'est plus réservé pour nous. Enfin, oui. Je sais pas, il n'y a plus les panneaux. Oui. Elle coûtait 30 000. Alors ils ont proposé de la baisser à 10 000. Mais c'est un peu cher quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, la petite maison, elle a acheté 500. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Donc moi personnellement, j'ai pas. Ah, je sais plus, est-ce que j'ai monté en vidéo le shop? Ah oui, j'ai monté en vidéo comment on obtient un peu d'argent. En... Voilà. Moi j'ai montré le shop. Oui. Allez, bah il y a. Oui. Il y a quelques minutes j'ai montré le shop. Oui. Et moi il y a quelques minutes. Quoi, en fait. Et moi il y a quelques minutes IRL j'ai expliqué un petit bug du Coblad mode. Il y a quelques minutes IRL et moi c'est il y a quelques minutes paradoxal. Oui. Paradoxalement en fait. Oui, quelques minutes de montage, hein, c'est ça. Voilà. Ouais, enfin c'est quelques minutes de fondu, c'est ça. fondu. Quand je pense une fois, tu sais, j'avais la limite à 15 minutes comme toi et j'avais dû faire des fondus très longs pour récupérer des minutes. Ah oui, non. C'était drôle. Sérieux. Est-ce que tu crois que tu serais capable de faire une vidéo uniquement en fondu? Pff, non mais n'importe quoi. Bon bref. Oui. Parce ouais, que... Nous égarons. Oui. D'ailleurs tu n'as pas de stuff, la planche. Bah tiens, fais-toi un petit stuff quand même. Ah bah je sais pas moi, on m'a pas dit que je pouvais donc j'ai pas fait. T'as un petit peu d'XP, tu t'enchantes P1. Je suis level 3. Ah bah j'ai 3 niveaux donc je pourrais t'enchanter. Le problème c'est que j'aime pas les armures en fer et j'aime pas les armures et encore moins les armures en fer enchantent. Je suis en train d'essayer d'enchanter des lingots. Oula je suis crevé. Et la plonge, même si tu les enchantes pas haut, genre niveau 1, elle brille et comme ça les gens ils hésitent à t'attaquer. Oui je sais, je connais l'astuce mais... Fais-le quand même. Oui mais j'ai pas assez. Bah j'ai projectile protection, c'est bien. Protection, ah là j'ai même pas de niveau 1, ah voilà. J'ai protection, d'accord, donc j'ai 2 protections. Celui que t'as pas pu faire, je peux faire. C'est le Attends. C'est les jambes. Mais franchement, j'ai des bottes projectiles. Donc si on pouvait me donner un vrai protection, ce serait mieux. Ah, je sais pas. Refais-le alors. Pire. Ah, attends, ouais. Mais j'ai plus de level. J'ai plus de level. Ah bah, je vais te le faire. Je vais te le faire. Ouais. Ou alors, voir, tu me les rends. J'ai du 3 levels. Ah, mince, j'ai donné à Dechi. J'ai cru que c'était toi. Ah, c'est pas grave. J'ai un laser and boot et un religion. Redonne. Donne à moi. Comme on galère là. Alors, je chante tout ça. Hashtag, je suis pas beau. Attends, mais pourquoi t'as... Bah, tu m'as pas donné le pantalon. Bah si, si, si. Je l'ai récupéré sans faire exprès. Voilà. Ouais, pendant ce temps-là, je me montre... Ah, pardon. Ah non, attends, je chante niveau 1. Hein. Protection 1. Voilà, là. Ouais. Oh, pardon. Bien, et Dechi, t'as redonné le... Oui, je t'en prie. Le leggings bah, si, le leggings, tu m'as donné. Par contre, les bottes, elles sont où les bottes? Elles sont enchantées, les leggings? Bah, tu les as enchantées. Ah d'accord. Elles sont les bottes. C'était les bottes que j'ai... Moi aussi, je suis fatigué. Du coup, il faut que je recrave des bots en fait. Pourtant, il n'est que 17h10, hein, nous sommes en pleine vacances. Mais non, c'est... On a trop habitude de bien bosser à l'école en fait. Hein, les enfants. Voilà, yes, ah, oh merci Dechi. Bon, tu veux que je me moque... Tu veux rire de ma pioche en fer et de mon épée, tiens, regarde. Sans commentaire. Rien enchanté. Non, Unbreaking. Bane of Arthropods. Non, franchement, Bane of Arthropods. Par contre, ton Iron Pickaxe, elle est bien. Hein. Ah ouais, peut-être. Mais. Unbreaking, c'est bien. Ouais, par contre, Arthropods, sérieux. Arthropods, ça marche sur quoi? Sur les araignées et sur les Silverfish. Les Silverfish, bon, on va pas en croiser tous les jours. Et les araignées. Les voilà, vous voyez ce que j'ai fait en fait. Moi, j'avais aussi un P2. Enfin, non, j'avais un projectile protection 2 sur mes bottes. Ouais. Donc c'était nul, du coup j'ai fusionné celle que j'avais et celle que m'a donné la plonge et je l'ai renchant de protection 1. Ah ouais. Donc j'ai P2 avec un protection 1. Bon, c'est pas grave. Donc moi je vais aller faire un petit tour à la banque pendant ce temps là pour aller récupérer mon argent et le donner à Dechi. Ah bah non, j'ai pas assez d'expérience. Oui, et malheureusement. Tu veux faire un tour à la banque ? Oui. Par contre, le bouton top du mode ne marche pas parce qu'on n'a pas la permission de la commande balance top. Dommage. Alors moi vous venez juste de la voir à la banque. On va voir si ça a changé entre temps. Genre. Ouais, donc allez, je vais utiliser la monnaie neutron. Non, c'est quoi le nom? Le Together Point au tronc. Voilà. Together. Voilà, attention. Qui sont ensemble, non? C'est quoi? Ouais, des points d'ensemble. Temps de jeu, 17 minutes. D'ailleurs, c'est pas possible. Ah si, c'était pendant le record que j'ai fait à la banque. Allez, je vais cliquer sur le bouton. J'ai maintenant $17. GG la plonge. Maintenant, donc je fais un stage. Money. Oh là là. On appelle ça, non, moi j'appelle ça personnellement le tapis roulant. Et du coup, là, ça se met pas à jour la plonge. Faut s'éteindre. Trop tard, si t'as ouvert, c'est trop tard, il va être bugué. Ah, bah c'est pas grave, je suis chassé. Moi aussi, donc. Hop. Ok, cliquez pour spam. Faut faire slash money, hein, pour débloquer. Ou alors double-cliquer sur le bouton argent auto. Ah, par contre, j'ai un truc que j'ai pas fait, j'ai pas encore. Ah, bah en fait, ça va se débloquer tout seul normalement. Il y a un petit truc que j'ai pas fait, j'ai pas encore changé les notifications d'amis et tout. D'accord, j'adore. D'accord, en fait, le money ne se... En fait, ah ouais, d'accord, ça se bloque à fond. Tu décoreco, le déblocage ne se fait pas. Ah ouais, mais alors ça va être super facile à localiser vu que normalement la sécurité est censée se débloquer tout le temps. C'est pas grave, continuons. Oui. Là, on s'égare encore une fois. Attends, je vais faire une petite manip un petit peu sadique. Hop. Je commence à faire des trucs compliqués et tout. Ouais, en fait, je décoreco pour aller au spawn, je tape mon mot de passe et je fais un slash suicide pour récupérer mon stuff et avoir ma fin au max. Ok. Faudrait donner un nom à cette méthode là, le disconnect abuse. J'aime bien les prix totalement what the fuck du shop. Oh, tu sais, c'est pas pire que Heavy Sword. Merde. Un diamant, $50. Allez voir ma vidéo pour voir. Tu vends un diamant, t'as $50. Tu vends un casque en diamant, c'est $150. C'est-à-dire que si avec 5 diams tu fais ton casque, tu gagnes $150. Alors que si what? J'étais banni. Les mecs, j'étais banni. Pourquoi? Pour spam. Ah merde. Y a pas de... Bon ben, donc j'interromps la vidéo ici, hein, désolé. Bon bah voilà. Ça c'était pour faire le point donc, hein, ce point sur la situation. Bon bah on se retrouve une fois que j'aurai obtenu mon débannissement de la part de la modération. Bye bye. Yo yo yo, c'est Laplongejunior et je vais faire une vidéo courte pour que ça tienne dans un seul épisode. Tout simplement pour vous dire que j'ai trouvé mes tout premiers diamants. Et oui, donc j'en profité donc pour donc tout d'abord, donc le bannissement il a été supprimé, hein, celui que vous venez de voir. Donc voilà, je vais donc vous expliquer un petit peu la situation. Donc le bannissement a été annulé bien évidemment. Et si vous avez regardé l'épisode avant celui-ci, vous aurez vu qu'il y avait un petit problème avec le mode. Donc le mode, je l'ai remis en ligne, il est désormais débugué. Mais le problème, c'est que... comment dire... Ok, pardon, désolé, j'ai beaucoup de mal à faire en solo et taper les commandes en même temps. Voilà. C'est que, même maintenant que le mode est parfaitement fonctionnel... Eh bien, l'argent automatique, 10 secondes de sécurité, ça ne suffit pas pour le serveur qui va le compter comme spam. Et donc ça provoque des kicks, ça provoque des bans et compagnie. Donc l'argent automatique, je vais le désactiver, hein, tout simplement. Et donc pour le prochain épisode, je mettrai mon skin à jour. Hein, donc je mettrai la petite redstone de mon skin 1.8 sur le t-shirt parce que ça commence à... Ok, c'était pas prévu ça. Je mettrai le petit t-shirt, donc la photo de redstone sur mon skin, parce que ça commence vraiment à faire un petit peu bizarre. Voilà, je récupère tout le charbon, et donc on va explorer pendant encore, allez, on va dire 2 minutes, pour voir s'il y a encore quelques petites ressources, hein, et là, je terminerai la vidéo. Je comptais faire 2 épisodes complets, mais, enfin, un épisode en 2 parties, comme la dernière fois, mais je préfère terminer ici, parce que, eh bien, la vidéo est en 2 parties, ou bien, non, en fait pas du tout, je vais tourner encore 15 minutes. Donc, il est 2h05. Donc, je vais programmer le timer sur 2h... combien? Je vais mettre 2h... Allez, on va dire 20. Voilà, ça me fera 15 minutes, un peu plus de 15 minutes de record. Voilà. Voilà, donc on va faire un petit peu d'exploration. Donc la belle grotte que j'ai trouvée en faisant un peu de minage optimisé. Donc on est mardi, hein, donc on est le 3e jour de FMI. Voilà, donc on discute un petit peu avec Bifoui. Aïe. Ok, d'accord. D'accord, le squelette qui troll et pas qu'un petit peu. Double source d'eau. Ok. Va te faire voir le jeu. La première partie est finie. Oh. Mais il y en a une deuxième. Ah. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de cet épisode de FMI.